Alors, vous voyez que ici, il a détecté que le site était en anglais parce qu'ici, j'ai adjust width, donc ajuster la largeur. Donc, je peux lui dire aussi de traduire en français. Et puis, donc, en fait, c'est pour ajuster la largeur parce que dans la partie gauche, j'affiche donc la partie Step Bible. Et dans la partie droite, ici, vous voyez Guide Step Bible, c'est le conducteur que je vous ai préparé. Donc, les liens que je vous ai donnés sont tous de ce type-là, c'est-à-dire vous avez à gauche de quoi travailler sur Step Bible et à droite les consignes. Alors, les consignes, elles sont données dans un outil qui s'appelle Blogger, donc il faut accepter la politique de cookies, donc je clique OK. Et puis, donc, en haut du conducteur, vous avez donc le sommaire. Et là, on en est sur. On a fini les présentations, le camp orpaillé, j'ai fini la présentation de Step Bible. Et on va commencer donc sur le travail sur le sens des mots. Donc, je clique ici. Ça m'amène directement donc à la rubrique Travail sur le sens des mots. Et puis, donc, on va s'intéresser maintenant à la partie gauche, donc où on retrouve Step Bible. Alors, je veux aller au verset 7. Avant, je vais vous expliquer. Donc, il y a cinq lignes qui s'affichent. SBLG, la première ligne, donc c'est donc une version du Nouveau Testament, donc qui est celle qui est développée par Tyndale House. Donc, l'avantage, c'est qu'elle est libre de droit. La Nestlé Allant ne l'est pas. Bon, il y a quelques différences entre les deux, je dirais des différences de spécialistes. Là, pour ce matin et puis pour toutes vos recherches, vous pouvez faire confiance à l'équipe de chercheurs de Tyndale House et vous baser sur le texte grec, donc de la version Tyndale House. Donc, vous voyez le texte grec en grec, bon, ce qui n'est pas beaucoup quand on ne connaît pas le grec. Donc, vous avez la deuxième ligne qui vous donne en fait. Alors, ici, ils mettent traduction de texte parce que Google traduit l'anglais. Donc, je reviens à ce moment-là, je vais dire à Google, je fais un clic droit. Et puis, alors, non, pardon, vous avez dans la barre d'adresse là-haut un petit bouton traduire cette page. Ça me permet de réafficher mes choix et je vais dire de revenir ici au site original, anglais. Et là, vous voyez qu'en anglais, c'est texte trans, donc on comprend mieux, c'est un texte translittéré. Donc, ça permet de lire le grec quand on ne connaît pas l'alphabet grec. Donc là, je peux lire la première ligne en grec en lisant la deuxième ligne, en etei, de pente, kei, de kato, etc. La troisième ligne me donne le vocabulaire dans la langue d'origine, parce que bien évidemment, la première ligne, ben, il y a des changements de déclinaison, les mots sont pluriels, les verbes sont conjugués. Donc c'est difficile quand on veut chercher un mot dans un dictionnaire si on n'a que la version conjugué du mot. Par exemple, si je prends le verbe oindre et que dans un mot il va être il oint, oint, pour chercher dans le dictionnaire, il faut qu'on me donne le mot oindre. Donc c'est ce que donne cette troisième ligne, c'est le mot tel que je vais pouvoir le chercher dans le dictionnaire. Ensuite, comme je lis pas forcément le grec, il me translittère ce vocabulaire. Donc là, j'ai tous les mots qui sont translittérés, hein, de. Et puis la dernière, c'est la version mot à mot de la seconde 1901, 1910, pardon. Donc vous avez du mot à mot. Hein. Pente, kei, decato, ça veut dire la quinzième. Hegemonia, ça veut dire le règne, etc., etc. Alors ici, vous voyez qu'on est au verset 3.1, 3.2.1. Comme il y a cinq lignes, ça fait des pages assez longues. Donc, si je veux aller vite, je vais utiliser la fonction de recherche de mon navigateur pour aller directement au verset qui m'intéresse. Et on a vu que c'était le verset 7 qui nous intéressait. Donc, vous avez un raccourci clavier, vous avez la touche contrôle sur votre clavier, puis vous la maintenez enfoncée et en même temps vous tapez sur F. Et vous voyez, ça vous ouvre en haut à droite un utilitaire de recherche. Donc là, je tape 3.2.7, c'est le verset qui m'intéresse, et vous voyez, il m'emmène directement ici, c'est surligné en orange, sur le verset 7. Et donc, je retrouve mes histoires de vipères, et donc, je vois ici, donc c'est la seconde 1910,
race de vipères. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je clique sur race. Vous voyez, donc quand je passe juste la souris, j'ai un petit un vocabulaire rapide en anglais. On reviendra là-dessus, qui s'affiche en bleu en bas. Et quand je clique, donc j'ai à droite ici donc le détail qui concerne ce mot. Alors là, c'est intéressant parce que ici, je peux faire un clic droit et demander à traduire en français, par exemple, parce que ce vocabulaire, on verra, il est pour le moment encore en anglais. Donc, j'ai Guenema. Donc, RAS traduit le mot Guenema. Je vous montre au passage les petits clins d'œil que nous génère la traduction automatique. J'avais tout à l'heure ici RAS de vipère. J'ai demandé à Google de me traduire automatiquement la page, sauf que races en anglais, donc race en français, ça devient races en anglais, et races en anglais, c'est le pluriel de race qui veut dire course, comme on dit course de cheval. Donc ce qui fait que les races de vipères deviennent les courses de vipères. Hein, donc il faut l'utiliser en sachant que parfois on a des choses un peu rigolotes. Par contre, à droite, ça me traduit le vocabulaire court. Donc, je vois que Guenema, ça veut dire progéniture, fruit, produit, rendement, récolte. Ça, c'est ce que me traduit Google du dictionnaire rapide en anglais qui est dans Step Bible. Maintenant, je ne peux pas lui faire complètement confiance. Hein, donc, je vais, parce qu'on a effectivement ces petits blips comme les courses ici. Donc, je vais revenir sur la version en anglais. Et je vais aller utiliser un dictionnaire grec-français en français. Alors, pour ça, je vais ici, voilà, dans Travail sur le sens des mots, vous avez le lien vers un dictionnaire qui est la référence de dictionnaire grec-français qui s'appelle le Bailly. C'est un dictionnaire qui date, qui a été commencé fin 19e, début 20e. Je clique et vous voyez qu'il est en ligne. Donc, je me retrouve dans un dictionnaire qui est dans la version 2020 où je vais pouvoir taper des mots en grec et ça va me donner le détail. Donc, je reviens ici sur Step Bible et je peux, l'intérêt, c'est que j'ai ici la translittération de Guenema, mais ce que je vais faire, c'est je double-clique sur le mot en grec. Je fais un clic droit, donc ça c'est sur les machines Windows. Sur Mac, vous avez un bouton du clavier qui donne l'équivalent du clic droit sur Windows, donc qui est ce qu'on appelle le menu contextuel. Donc là, sous Windows, je fais un clic droit avec ma souris et j'ai donc, je peux directement choisir copier. Ou sinon, vous avez le raccourci clavier, CTRL-C. Et je vais dans. Je retourne sur l'onglet du dictionnaire Bailly, je vais dans la barre de recherche, je refais un clic droit et je fais coller ou bien raccourci clavier, CTRL-V. Et donc, il me propose trois mots, je vais prendre celui qui ressemble à celui que je viens de taper et on a donc la définition dans un vrai dictionnaire grec-français de Guenema. On voit que le premier sens, c'est ce qui est engendré ou ce qui est produit. Hein, donc, c'est un sens passif. Donc, c'est vraiment l'idée d'être l'enfant, le rejeton, le produit, le fruit, l'ouvrage. Vous voyez, c'est cette direction de résulter de quelque chose. Hein, donc, c'est le produit de quelque chose. Et puis, dans un sens actif, on retrouve la même idée, mais en actif. Donc, il y a une idée de fécondation, celui qui engendre. Mais le premier sens donc est passif. Donc, l'idée de Guenema, ce n'est pas tellement l'idée de race ou d'espèce, d'appartenir à une race ou une espèce, mais d'être engendré par, hein, c'est d'être le rejeton de, hein, et donc de quoi ? De vipère. Alors, on va faire le même exercice sur vipère, donc je clique ici sur vipère, je vois ici, le mot en grec, sa translittération échidna, donc on retrouve les mots qu'on a en biologie, donc la famille des échidnés, c'est la famille donc des serpents de type vipère. Mais on voit ici donc la traduction, si je demande à Google de traduire ce vocabulaire rapide en français,
Donc, il me dit vipère, serpent. Hein. Et puis, la signification, c'est vipère, serpent venimeux. Je reviens sur l'anglais. Je vais faire la même manip, c'est-à-dire que je me mets sur le mot en grec. Je double-clique pour le surligner. Clic droit au menu contextuel. Copier. Et je retourne donc dans mon onglet de Bailly. J'enlève ma recherche précédente, clic droit, coller. Donc là, je cherche Echidna, je le trouve ici. Et on trouve donc Echidna, donc vipère. Hein, c'est vraiment le. Alors il faut. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique, mais moi, les vipères que j'ai vus là-bas, c'était à l'occasion d'une visite dans le Burundi. C'est des vipères cornues qui sont énormes. Je veux dire, elles ont un corps triangulaire qui fait, je ne sais pas, peut-être 10 cm de diamètre. Et puis, on les entend siffler de loin. C'est des serpents qui sont très impressionnants, qui sont beaucoup plus gros que nos vipères en France. Et puis on voit, alors on va pas épiloguer sur les a priori de genre, figurer en parlant d'une femme perfide. Mais c'est intéressant, ça nous donne une piste d'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire de race de vipère, on a regardé les deux mots, on a bien vipère, mais qu'est-ce qu'elle veut dire la vipère? La vipère, elle est venimeuse comment? Elle est venimeuse par son venin, donc qu'elle met dans votre organisme en vous mordant. Donc, c'est par la bouche qu'elle est toxique. Hein. Et donc, la femme perfide, d'où cette analogie avec la femme perfide, qui est toxique par sa parole. Donc, ce n'est pas par hasard ici qu'on a choisi vipère. Il y a un autre mot en grec qui dit serpent, mais pas forcément venimeux. Là, ils ont choisi vipère parce que c'est un serpent venimeux. Et en tant que serpent venimeux, c'est une métaphore de toxicité de la parole. Et donc, Genemata, il s'adresse aux foules en leur disant rejetons d'une parole perfide. Donc, ce n'est pas du tout une insulte, c'est un constat désolé de se dire les gens que j'ai en face de moi ont entendu une parole pervertie. Ils n'y peuvent rien, ils sont des rejetons. J'ai pas choisi d'être l'enfant de quelqu'un, j'ai pas choisi d'être le fruit de quelque chose. J'existe en tant que rejeton de vipère, c'est-à-dire que j'ai pas choisi d'être rejeton de vipère, mais ça a pour conséquence que je suis le fruit d'une parole qui a été pervertie. Donc là, en fait, on a une critique des élites du temple qui prêchent une parole pervertie avec pour résultat, pour fruit, pour rejeton, ces fameux rejetons de vipères et qui donc par conséquent, ayant été, je dirais, contaminés par une parole pervertie, se conduisent mal, mais ils n'en sont pas forcément responsables. Et quand on va au verset 8, ça éclaire tout de suite. Hein, le verset 8, c'est produisez donc des fruits dignes de la repentance. On voit bien que les fruits ici, ils répondent directement aux fruits qui sont là. C'est-à-dire, l'appel ici, c'est vraiment une supplication d'arrêter ce cercle vicieux de transmission d'une parole pervertie en produisant vous-même des fruits dignes de la repentance. Donc, pas du tout, je dirais, l'insulte qu'on aurait pu imaginer, mais bien au contraire, un constat désolé et triste du fait que les gens n'ont entendu qu'une parole pervertie, pas une parole qui fait vivre, et qu'il y a moyen de se sortir de ce cercle vicieux de transmission en prenant conscience et en changeant de comportement. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, c'est-à-dire que partie d'un a priori d'insulte, effectivement, on en vient en fait à une désolation, une description de la situation, je dirais à un diagnostic, ce qui n'est pas du tout la même chose.